De Berroir. De Berroir. Ah. Bonjour. Votre carte, s'il vous plaît. Merci. Vous venez pourquoi? Un arrêt de travail. Est-ce que vous toussez beaucoup? Puis quand vous toussez, ça goûte un petit peu comme le sang dans votre bouche? Non? OK. Donc, avez-vous la difficulté à respirer? Comme si vous aviez plein de petits trous remplis de pus dans vos poumons? Non? OK. Avez-vous... bon, dit que c'est méchant. Avez-vous mal à la gorge? Genre, votre amoureux vous a cuisiné à souper, puis là, vous mangez, puis vous réalisez qu'il vous a cuisiné un cactus, puis là, quand vous avalez, ça goûte comme la pisse de serpent. Vous avez pas d'amoureux? Ah ouais, je comprends, donc vous avez pas le référent. Quand vous avalez, là, est-ce que vous avez l'impression d'avaler comme du crachat de cow-boy? Tu sais, comme un genre de crachat visqueux qui goûte comme le scorbut puis les dents pourries? Non? Bouchez-vous beaucoup? Et si oui, est-ce que c'est vert comme ça? Avez-vous mal à la tête comme si quelqu'un vous arrachait les yeux avec des curpés prouillés en criant « Ah ouais, petite pute! » Non? Donnez-moi 2 minutes, j'en reviens. Oh boy! Bonne nouvelle, on l'a eu! Hein? T'as un arrêt de travail! 2 semaines! Hein? Ah oh non, c'est pas pour vous, c'est pour moi! Vous, le médecin, va vous voir la semaine prochaine! Numéro 46! 46! Oh ben, coudon! Monsieur Gélina, comment ça va? Ben oui! Vous venez pour quoi aujourd'hui? Des boutons, OK. Ben, je vais vous demander de remplir ce formulaire-là. Tout ce que vous avez à faire, vous le remplissez, vous cochez, là, vous marquez votre nom, puis là, vous avez... Non, non, c'est parce que... C'est parce que j'ai baissé son pantalon, puis c'est casu. Puis j'ai d'autres vues sans nous. Monsieur Gélina, je comprends que vous... Je comprends que vous avez besoin de voir... Je comprends que vous avez besoin de voir un médecin pour les... Je vais juste vous demander de remonter vos... Remontez votre pantalon, s'il vous plaît. Allez dans la salle 2. Faites juste aller dans la salle 2. Je vais avoir cette image-là dans la tête pour le reste de ma vie. De quoi ça avait l'air? Ça avait l'air d'une courge! D'une courge poivrée!
Même forme, même couleur. Numéro 167. 167? Hein? Bonjour. Merci. C'est bon, je vais prendre votre carte, s'il vous plaît. Non, encore. Ah! Alors, on venait pourquoi aujourd'hui, Madame Rosemie Marc-Fils Jean Dieu donné de la Providence? Hein? Hein? Du Vallon du Bon Pasteur. Hein? Ben, c'est exotique. Vous venez d'où? Lac Saint-Jean. Ah ben oui, c'est ça le... l'accent, hein? Je connais une fille qui est comme vous. Elle est frisée. Elle s'appelle Aminata Prince. Vous la connaissez pas du tout. Pas du tout. Ben non, ben non. C'est niaiseux. C'est comme si moi, je connaissais toutes les femmes... les femmes sagittaires, hein? Ça se peut pas. C'est ridicule. Ce serait absurde. C'est beau, vos vêtements de couleur comme ça. Est-ce que vous avez pris ça dans une boutique spécialisée? Benetton, ben oui, j'aurais dû y penser. Alors, vous venez pourquoi aujourd'hui, Madame Rose Pasteur? Une transfusion sanguine pour une drépanocytose. C'est drôle, je connais pas ça, drépanocytose. Parce que ça s'attaque juste aux femmes comme vous. Vous voulez dire... les femmes de 6 pieds 2? Les myopes, peut-être? Non plus. Les noirs! Ah, ben oui. Ah, ben, hein, bon doux. C'est drôle, j'avais pas remarqué. C'est pas la première chose que... Comment vous avez dit? Drépan... Je vais aller